Une peine alourdie pour avoir provoqué la mort de près de 3000 ouvriers et riverains des usines d'amiante Eternit en Italie. Stefan Schmitaini, ancien propriétaire d'Eternit Suisse, a été condamné à 18 ans de prison par la cour d'appel de Turin ce lundi. En première instance, l'industriel suisse avait écopé de 16 ans de réclusion. Stefan Schmitaini, toujours absent à son procès, est notamment tenu responsable des infractions aux règles de sécurité dans les 4 usines italiennes Eternit. La cour d'appel de Turin a également décidé d'attribuer près de 31 millions d'euros de dommages et intérêts à la ville de Casale Monferrato, où se trouvait la principale fabrique d'isolants à base d'amiante. Dans cette ville, explique une association de défense des victimes, l'amiante continue de tuer des gens qui étaient les enfants des ouvriers.